Lyon, c'est un point stratégique pour la cuisine. Tout est présent. Les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, les produits laitiers. C'est une force pour nous. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Le cadre idéal pour notre recette du jour. Un filet de volaille de la Dombe à la crème et ses légumes de saison. C'est une recette qui est belle, qui est goûteuse, bonne et pas chère. Environ 5 euros par personne, légumes compris. Un plat simple et accessible, cuisiné aujourd'hui à 4 mains et en famille. Je vais découper la volaille, on va la dresser en plat. Et t'en es où, toi? Moi, j'ai plus qu'à dresser les légumes. Chez les Jacquier, voici le père Williams, meilleur ouvrier de France, et la fille Audrey. Deux chefs en un qui conjuguent depuis 10 ans leurs talents dans cet ancien bouchon lyonnais qui vient de fêter ses 101 ans. Ici, c'est plus qu'un restaurant. C'est un lieu de partage des Lyonnais, c'est dans le cœur des Lyonnais. Et c'est vraiment un complet bonheur aussi de tenir ce restaurant avec ma fille. En tant que cuisinière, être dans des lieux un peu historiques, c'est quand même une chance, donc il faut entre guillemets en profiter. Allez, en cuisine, chef, par quoi commence-t-on? On va commencer par quoi? Alors on va commencer déjà par saisir la volaille et la mettre en cuisson. Alors toujours du beurre, hein. À Lyon c'est le beurre. Hein. C'est pas de l'huile, hein. On n'est pas à Marseille. Petite précision, la volaille de la Dombe est un poulet noir label rouge élevé près de Lyon, certes moins renommé que celui de la Bresse, mais tout aussi savoureux et surtout moins cher. La volaille, on la présente toujours du côté façon poitrine en premier. Parce que la volaille, en fait, elle est triangulaire. Dans un premier temps, on fait les suprêmes, les cuisses, et dans un troisième temps, on va la passer sur le dos. Là, on va la mettre au four 45 minutes. Cette volaille, Williams l'a achetée ce matin au hall Paul Bocuse de Lyon, le temple de la gastronomie. Et dans ce temple, l'ambassadeur de la volaille, c'est lui, Pierre Bastin, présent ici depuis 25 ans. Bonjour Pierre. Bonjour chef. Vous allez bien? Impeccable. Bon, quel genre de calibre je peux vous proposer? 1,4 kg. Voilà, on est vraiment sur des petits calibres avec des jolis petits filets. La caractéristique de cette volaille, c'est d'avoir une petite pellicule de gras entre la peau et la viande qui va fondre pour apporter du jus et du moelleux. Et ce qui fait un peu la caractéristique du poulet noir, une peau un peu épaisse, bien croustillante. Voilà, chef. Merci, voilà, Pierre. Voilà, chef. Merci beaucoup. Continue bien, puis à la prochaine. Bon, demain. Pour les légumes, pas besoin de se déplacer. Loïc et ses gagettes connaissent l'endroit par cœur. Chef, chef. Oui, Loïc. Ah. Bon, le maraîcher fournit régulièrement les deux chefs. Comment ça va tous les deux? Bien, très bien, je suis content de te voir. Pareil, qu'est-ce que tu nous as amené comme légumes? Donc là, les artichauts poivrades, voilà, ils sont vraiment top. Ah là, ils sont jolis. Tu vois. Les choux-fleurs, ça m'intéresse. Ils sont chouettes, hein. Ça te va, ça? Bah ça apporte du peps, quoi, c'est surtout ça, quoi. Ça apporte un peu de piquant, quoi. Loïc, c'est devenu vraiment un ami, et il nous propose à chaque fois des fruits et légumes qui sont d'exception par la qualité de ses produits, la saveur, la saisonnalité. Il nous conseille. C'est quelqu'un, moi, qui me touche vraiment au cœur parce qu'il est amoureux de son métier. Dans le panier, petites carottes fanes, navets, poivrons, choux et radis, des petits légumes de saison qui bénéficient ici d'un climat idéal, même si l'année n'a pas été de tout repos. Sur 6 mois, on a tout vécu. Que ce soit les températures caniculaires pendant un mois, la pluie pendant 2 mois et le froid, la grêle au 14 juillet qui a ravagé les monts du Lyonnais, ça aura vraiment été une année très particulière. Mais on s'en sort, on y arrive et on a la chance d'avoir des producteurs vraiment passionnés qui font des choses extraordinaires. Tu nous laisses les 2 caisses. Eh ben allez, c'est parti. En cuisine, pendant que la volaille finit de cuire, Audrey s'attaque aux légumes. Faut mieux pas les faire trop fins, parce que sinon ça part en purée, quoi. Voilà, c'est ces petits légumes super sympas pour mettre dans les assiettes, parce que c'est juste... un aller-retour à l'huile d'olive, sel, poivre, même à l'apéro, c'est super bon, quoi. Donc, on prépare ça, ça passe bien avec la volaille, en plus. Donc là, c'est bon pour les oignons. Timing parfait, Williams découpe son poulet tout juste sorti du four, pendant qu'Audrey commence à cuire ses légumes. Là, je vais faire revenir environ 3 bonnes minutes. C'est juste le fait de saisir le légume. Ici, on est une petite équipe, donc il faut tout faire. On est tellement bien rodés qu'au défaut, on ne se parle même pas sur qui fait quoi, puisque le travail se fait automatiquement, quoi. Une entente qui fonctionne à merveille, une passion transmise de génération en génération. En fait, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, parce que mon arrière-grand-père était cuisinier. Ma grand-mère est cuisinière. En fait, tout le monde est cuisinier dans la famille. Et on a baigné dans la restauration. Les crêpes, les bugnes, les gâteaux, les quenelles, tout. Enfin, ma fille, c'est une perle. Franchement, c'est une perle. Elle est meilleure que moi à son âge, d'accord? C'est vrai qu'elle a beaucoup de volonté. Elle a la fougue de la jeunesse. Elle a l'expérience qui commence à grandir.
C'est une mère lyonnaise. Dernière étape, la sauce, très simple. Le chef récupère les sucs de la volaille, ajoute 100 g de crème fraîche et 100 g de beurre. Et là, regardez, la crème est changée déjà de couleur. Et plus ça va réduire, plus ça va se concentrer en goût et en couleur. Résultat, un plat plein de saveurs aux couleurs estivales. Voici les ingrédients de cette volaille de la Dombe à la crème et ses petits légumes pour 4 personnes. Un petit conseil juste pour la recette, quand une fois que vous avez découpé votre volaille, au dernier moment, replongez votre volaille directement dans la sauce à base de crème. Une petite ébullition pendant 2 minutes et envoyez directement, ne nappez pas votre volaille, ça sert à rien, il faut qu'elle prenne la crème.